Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Parabola GNU Linux, en clair une arch Linux compatible avec les IDO de la Free Software Foundation. En gros, vous prenez une arch Linux, vous rajoutez un noyau Linux libre, vous sortez quelques logiciels qui sont limite avec la liberté logicielle, et vous avez une Parabola. Donc, pour montrer où on était la Parabola, j'ai mis une Parabola GNU Linux avec l'image d'installation de mai 2015, pardon, et j'ai rajouté dessus GNOME. J'ai aussi rajouté les 80 ou presque gigas de musique de ma musicothèque pour la suite de la vidéo. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif, via un lien. On est parti. Voilà. Donc, nous arrivons sous le grub aux couleurs très agréables, aubergine, je dirais, et blanc. Je sais, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais heureusement que ça ne dure que quelques secondes. Donc, c'est une arch Linux, tout ce qui est le plus classique, mis à part qu'elle utilise un noyau Linux libre. Le noyau Linux libre 4.0.4, en gros l'équivalent libre du noyau stable. Donc non, c'est un peu lent parce que c'est une machine virtuelle. Vous allez voir quand même que l'ensemble reste assez utilisable. Si monsieur veut bien démarrer... Donc j'ai mis GNOME 3.16.2 et vous allez voir que j'ai installé un dépôt qui s'appelle non-Prism, Prism par rapport bien sûr au scandale de la NSA, qui bloque tous les services privateurs. Autant dire que ça fait nettoyage. Donc je me connecte. Et nous avons un GNOME 3.16, tout ce qu'il y a de plus classique, qui se charge. Vous remarquez que ce n'est pas en plein écran parce que je n'ai pas pu installer les pilotes VirtualBox car c'est considéré comme un logiciel non libre, donc pas compatible à la Parabola à moins qu'on lui force la main. Je voulais rester dans les clous avec la Parabola. Donc nous avons les logiciels classiques, comme vous pouvez le voir. Donc là, pendant quelques secondes que ça se charge, voilà, nous avons l'ensemble des logiciels disponibles. Donc ça, j'étais avec tout ce qui est plus classique de GNOME. Modulo la présence de IceWeasel. J'aurais pu très bien aussi accéder à IceCat. Je le ferai peut-être dans le cadre de la vidéo. Donc vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus classique. Apparemment, il n'y a pas évolution tout court. Moi, j'ai mal vu. Enfin, bref, voilà. Donc vous voyez quand même. Donc je vous prouve que c'est bien un GNOME tout ce qui est plus classique. Voilà, donc là, on va voir déjà l'imitation du paquet Your Privacy, votre vie privée. Donc c'est bien sûr un GNOME 3.16.2. Dans les comptes en ligne, vous avez l'habitude de voir que, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de compte Google, il n'y a pas de compte Microsoft, il n'y a pas de... C'est vraiment l'application du paquet Your Privacy. Autant dire que ça limite. Donc vous voyez quand même, il y a moins de comptes que dans les installations classiques. Normal, j'ai été jusqu'au bout de la logique en utilisant le paquet Your Privacy du dépôt non-prism. Mais j'irai sur le site de la Parabola pour vous en parler un peu plus. Donc, côté navigateur, voilà, c'est un Nautilus, tout ce qui est le plus classique. Je le ferme pour le moment. Donc là, je vais aller dans IceWeasel, la version 38.0.1 de IceWeasel, que je n'ai pas lancé auparavant, donc ce sera le premier démarrage. Pardon. Debian IceWeasel étant le revamping de Debian, enfin de Firefox, est en français, sa version 38.0.1. Voilà. Alors, côté greffon installé par défaut, il n'y a rien. Ça pointe directement vers le dépôt de la Trisquel, comme vous pouvez le voir, avec des greffons agréés, étant reconnus comme libres. Il y a 9 pages, donc je ne vais pas quand même tout les faire. Donc, si on ouvre un nouvel onglet, voilà. Donc, pour éviter de vous retrouver avec des liens sponsorisés, vous restez en version classique. Voilà.
Donc, on va aller sur le site de la parabola, qui apparemment est préchargé. Je vais regarder ce qu'il y a comme marque-page par défaut. Bon, tout ce qui est parabola, donc ça tombe bien étant donné que je sais la parabola, et tout ce qui est free software et compagnie. Donc voilà, le site de la parabola GNU Linux. J'essaie quand même de, d'agrandir un peu la fenêtre. Si je peux y arriver. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai quelques petits problèmes. Bon, on va agrandir un peu comme ça encore. Voilà, donc, c'est le site de la parabola. Dans les dépôts, il y a ce que j'appelle le non-prism. Donc, je vais rechercher le non-prism. Ça sera plus rapide pour le trouver. Voilà, les dépôts officiels. Bon, il y a les dépôts classiques, à savoir libre, qui est tous les logiciels libres et compagnie, core, qui est une copie de... Voilà. PCR, c'est équivalent en gros de AUR, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et voilà, dépôt non-prism. Voilà. C'est justement pour combattre Prism et la surveillance économique. Voilà, ça débloque pas mal de trucs. Là, je vous conseille la page, je vous dirai directement dessus. Donc voilà, ça c'est IceWeasel, tout ce qui est plus classique. Je vais voir quand même si on peut avoir accès au HTML5 pour l'audio et la vidéo. Donc on va prendre je vais voir si ça démarre bien. Donc le son passe. On va aller sur YouTube pour faire un essai. Donc apparemment avec IceWeasel, on a le support classique du HTML5 en audio et en vidéo. Je sais, c'est pas bien d'avoir un compte YouTube, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, je vais prendre une dernière vidéo que j'ai enregistrée pour voir si la vidéo passe bien. Je vais reprendre celle-là, tiens. Salut à tous, une minuscule vidéo. Et bien sûr, c'est le lecteur HTML5, comme vous pouvez le voir. Donc on va voir aussi le support des fichiers multimédia. Comme je l'ai précisé dans l'article, je suis parti de mon tutoriel habituel, donc ce qui normalement inclut le support des fichiers MP3. Pour ce faire, j'ai copié toute ma musicothèque qui est en MP3. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas envie de la réencoder en OGG quand vous allez voir la taille de la musicothèque. Il y a quand même pas loin de 680 galettes. Et en réencoder 680 galettes en OGG Vorbis, non, ça ne me tente pas. Il y a quand même 80 gigas de musique. Donc je vais prendre un album de musique libre pour voir si ça passe bien. Sans faire de gaffe, bien sûr. Voyons. C'est pas évident. On va prendre TMA. Oui, c'est un album un peu spécial, mais vous avez entendu, il y a la musique. C'est bien des fichiers MP3, comme je vous le prouve. MP3 320. Donc au moins, déjà, on peut lire les fichiers MP3. Si vous voulez, par exemple, activer FH, il y a un greffon qui s'appelle Your Freedom. Donc on va aller dans le terminal.
Pardon. Et si on fait sudo pacman-s flash plugin, impossible de trouver. Il faut passer par Gnash ou encore par Lightspark. Vu le niveau du support de Gnash, attendez, je vais refaire une mise à jour, tant pour moi. Donc on va rechercher Gnash, pacman-ss flash. Voilà. La flash ROM, blablabla. Vous voyez des paquets spécifiques à Parabola. Donc je vais chercher Gnash. Ah, d'accord, Gnash n'est plus installable. Donc apparemment, sur un site avec Gnash aussi, ce n'est pas une grande perte. Donc ce que je vais faire, je vais enlever IceWeasel, le remplacer par GNU IceCat, pour voir justement ce qu'on peut faire avec GNU IceCat. Je n'ai pas assez de yaourt, donc bon, évidemment c'est vrai que là il n'y a pas d'outil spécifique pour installer ou enlever le logiciel. C'est tout, après tout c'est une arche Linux, donc il ne faut pas s'étonner. Alors sudo plus il y a, oui c'est ça, donc là alors sudo pacman, oups là, moi s icecat ltn. Vous remarquerez que c'est la version 31.6 de GNU IceCat qui correspond à la version 31.6 de Firefox USR, donc il y a une petite version de décalage. J'en profite au passage pour virer le profil de créé avec IceWeasel, comme ça au moins il n'y aura pas d'interférence. Non, vraiment, IceCat, c'est vraiment si on est un libriste pur et dur. Yeah! Adrien! Donc là, on va lancer IceCat, qui normalement doit être en français. Alors, elle est où la belette de jeu de glace? Voilà. Voilà, donc ça. On peut bloquer l'exécution des JavaScript non libres, autant dire qu'on n'aura presque plus rien qui arrivera sur la page. Donc, dans les extensions, on va quand même trouver pas mal de petits trucs, je pense. S'il veut bien se charger. Voilà, donc on a le GNU LibreJS, SpyBlock. Voilà, donc ça, je vais par sécurité désactiver celui-là et celui-là. Je peux y arriver, bien sûr. S'il veut bien me reprendre la main. Oh, il est en train de se planter la tronche. Comme c'est étonnant. Bon, GNU IceCat est planté. Pourquoi suis-je étonné? Apparemment, GNU IceCat est parti en cacahuète. Ah, c'est bon, tant pour moi, il n'était pas parti en cacahuète. Il était un peu long à répondre. Voilà, c'est bon. Donc déjà, il n'est pas super rapide à la réponse. Je ne sais pas si c'est lié à la machine virtuelle ou pas, mais... Donc là, je vais activer le LibreJS parce que sinon on va se retrouver avec 15 trilliards de tonnes d'avertissements. Donc on va aller sur Bandcamp.
pour voir si ça passe. En sachant que Bandcamp fonctionne avec le format HTML5. Donc apparemment c'est bon. On va maintenant sur le compte YouTube. Et après je réactiverai le LibreJS histoire de voir le nombre d'avertissements qui vont apparaître. Ah c'est cool, ça l'a mis par défaut en anglais. Joie, alors que sur IceWizard je le mets en français. Alors préférence. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne qu'à moitié. Joie immense. D'accord. Joie. Une AS4 est à moitié fonctionnelle. Pourquoi suis-je étonné? Ou pas? Comme ça. Je vous rappelle que j'ai désactivé l'option pour forcer le passage en HTML5 sur les vidéos. Donc on va prendre celle-là pour changer un peu. Salut à tous, aujourd'hui une... Donc apparemment ça passe pas trop mal. Non, vu les engins, je n'ai pas envie de tester le LibreJS parce que sinon je sens qu'on va se retrouver avec 14 trillions d'avertissements. Donc voilà, vous avez vu une parabola d'Unix en action. Un dernier point que je vais vous montrer, c'est par rapport à Shotwell qui propose par défaut des greffons pour importer vers Picasa ou par exemple Flickr. Si on va dans les greffons pour l'export, vous allez comprendre que le paquet Your Privacy a encore fait des ravages. Voilà, on ne peut publier que sur PriWeGo. Il n'y a plus de publication vers Flickr ou Google, ou Picasa. Ce qui limite un peu l'intérêt du logiciel. Enfin bref. Donc vous voyez, vous avez vu une parabola en action qui est somme toute assez utilisable. Mis à part que si on pousse vraiment un peu dans les... si on pousse un peu la logique du libre et de la vie privée au maximum, on se retrouve quand même pas mal limité dans une partie de nos actions. Après, c'est un choix à chacun de voir quelles sont les limitations que la personne est capable d'accepter. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine !